Coucou tout le monde, c'est Flanou de retour sur notre saison des SCP. Oui, et on est en compagnie de Baxter. Salut Baxter. Oui, bah mon chien il a changé de nom en fait. Ouais, un peu bizarre. Mais c'est normal, vous inquiétez pas, il va changer de nom de temps en temps. Bon, déjà, aujourd'hui on va faire de nouveaux SCP. C'est parti, pensez à vous abonner si c'est pas encore fait et activez la cloche pour recevoir les notifs des vidéos. Yes. Allez, c'est parti, let's go. Dans les commentaires de la vidéo, eh bien, vous avez proposé différents SCP, notamment il y a eu le 280, le 427, le 714, 348 et 162. Malheureusement, je retiens pas le 096. Le 096, pour le moment, je peux pas le faire, parce qu'il faut des larmes de ghast que j'ai pas encore, donc il faudrait que j'arrive à farmer ça. Yes. Il y a Honoré qui nous dit « Flanny, tueuse de lapin !» Mais comment ça? Mais pas du tout, hein. N'importe quoi. Vous avez vu ça, vous? Non. Ensuite, il y a Alexis qui nous dit « Flanny, tu es super. Merci Alexis, c'est gentil. J'aurais une question au sujet de tes vidéos. » Bah, oui, mais c'est quoi la question, du coup? Ça va être compliqué d'y répondre, là, mais merci. Il y a Thomas qui nous dit « Je te fais un pari, après cette survie, tu fais une survie SCP FNAF si Rover meurt. » Bah techniquement, Rover il peut pas mourir, et puis comme j'ai déjà dit, je trouve que SCP et FNAF ça va pas ensemble en fait, c'est deux univers totalement différents. Donc voilà, merci pour ton commentaire Thomas. Ensuite il y a Daka qui nous dit « Tu devrais percer SCP 002 afin de mettre une fenêtre à l'extérieur. » Donc ça en fait on l'a fait ce dimanche en live. D'ailleurs n'hésitez pas à passer hein, le dimanche live sur YouTube de 16h à 18h. Voilà. Et tout le reste du temps, bah c'est sur Twitch. Yes. Et d'ailleurs, si vous voulez voir les rediffs des lives, et bah elles sont dispo sur la chaîne pour les lives du dimanche. Sinon, après, j'ai une autre chaîne de replay. Ça concerne les lives Twitch, parce qu'en fait, ils sont supprimés au bout d'un certain temps. Donc voilà, j'ai une chaîne YouTube où il y a tous les replays. Allez, au dodo et c'est parti. On va faire de nouvelles SCP aujourd'hui. Alors, premièrement, celui qui a été le plus demandé, c'est le 280. Oh purée. Oh non, je me rappelle de lui, je crois. Ah, il est horrible. Bon bah on va faire lui du coup. Et ensuite le 427. Je le connais pas lui. Lui c'est un nouveau. Ah mais trop bien, bah on va faire lui aussi. Trop bien, on va faire un nouveau. Let's go. Je suis trop contente quand on fait des nouveaux. Ok c'est parti, donc je vais aller prendre tout ce dont on a besoin. Et puis on va aller installer tout ça. Yes, let's go. Ok voilà c'est parti, j'ai tout ce qu'il faut. Donc maintenant, on va pouvoir crafter les deux SCP. À votre avis, Keter, Safe ou Euclid? Je sais pas du tout, hein. Alors, celui-là, le 427. Celui-là, c'est un nouveau en plus, je le connais pas du tout, donc trop cool. Et ensuite, on a le... C'est le 280, ok. Toutoulou, toutou, salut Baxter. La machine, let's go. Il est quoi, lui? Euclid, Safe, Keter? Moi, je dis Euclid. Ah, voilà pourquoi je m'en souviens, c'est un Keter. Génial. Ah, je suis super ravie, là. Bon, bah écoutez, c'est parti, on va les installer. Je vais laisser Baxter à la maison, j'ai pas envie qu'il y arrive quelque chose. Attendez, faut qu'on aille dire bonjour à Chamallow. Chamallow, ça va? Chamallow, tu vas bien? Tu sais que les abonnés, ils sont super contents de te retrouver à chaque fois à Chamallow, hein. Ils t'adorent. Oui, il est super content de vous voir. Bon, Chamallow, je pars faire le danger. Oui, je pars faire le danger. Attends, est-ce que j'ai le droit de prendre un bonbon? Oh. Oh, 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 j'ai eu un bleu. J'en ai jamais eu encore de bleu. Trop cool, oui. Un nouveau bonbon pour Chamallow. Allez, à toutes. C'est parti, on va faire du coup, on va faire le premier SCP. On va faire lui, Eyes in the Dark. Mais lui, c'est pas celui qui peut traverser des murs ou je sais pas quoi. Je crois que c'est ça, hein. On va se faire tuer. Bon, là, mon complexe SCP, c'est un peu le bazar, mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Bon, on va le mettre là. Non, ça l'a mis en haut-dessus. Bon, c'est pas grave, un jour, j'y arriverai. Ah, bon, ok. Du coup, nouvel SCP. Ta-ta-ta-ta-ta, le petit bâtiment. Ouah, c'est niveau 5. Oh. Ah oui, c'est parce que c'est un quêteur. Au pire, on pète tout, hein. On pète le mur. Carte niveau 5. Ah, faut 3 diamants, purée. Bon, je vais voir si j'ai ça. Si j'ai pas les 3 diamants, moi je suis pour qu'on casse le mur. Hein. Économie de diamants. Oui. Attends, j'ai faim. Je vais pouvoir reprendre de la pizza. Pizza, pizza, pizza. Bon, j'ai pas trop de pizza, les enfants. Purée. Je dis ça dans toutes les vidéos. Je l'ai dit dans la vidéo FNAF de mardi. Et là, je vous le redis dans la vidéo de vendredi. Non, mais c'est grave. Il y a un problème avec les pizzas. Hein.
S'il vous plaît, marque de pizza, sponsorisez-moi là, parce que... Il y a ce qu'il faut, quoi. Bon, allez, c'est parti. Voyons voir si j'ai ce qu'il faut. Ah, j'ai 6 diamants. Bah, vas-y, let's go, on va faire une carte, hein. J'espère juste que je vais pas mourir, sinon ce serait dommage. Et voilà, carte niveau 5. Ah oui, pourquoi j'ai dit niveau 4, c'est niveau 5. Bref. Je vais relire vite fait son document à côté. Je vais vous faire un résumé de ce que c'est, parce que lui, on a déjà lu son document dans la saison 1. J'avoue que je me souviens pas de tous les détails, mais je crois que c'est un spectre qui traverse des blocs. Donc j'espère pas qu'il va se sauver, là, ce serait un peu dangereux, parce qu'on est quand même au spawn. Il se déplace lentement vers les êtres humains et tente de les attaquer. Il ressent la vie humaine, oh là là. Il utilise ses mains pour tirer et déchirer le sujet. Ah, c'est dégueu. L'attaque peut durer entre 1 et 5 minutes et continuera jusqu'à la mort. Oh là là. Bah, j'espère que je vais pas mourir, hein. Si la zone où le SCP-280 est, ou qu'il y a un fort jaillissement de lumière, il disparaîtra et réapparaîtra ailleurs. C'est une réponse défensive à la lumière. Ah, il se TP en fait. Purée, mais c'est dangereux ça. Il va se téléporter ailleurs. Mais oui, mais je m'en rappelle, c'est celui qui avait cassé les blocs. C'est celui qui avait traversé les blocs et tout, vous vous rappelez ou pas? Ah, je sais pas si on ouvre du coup, hein, j'ai peur. J'ai envie de le voir, mais d'un autre côté, j'ai pas envie, parce qu'il peut nous tuer. Le SCP ne semble ni manger, respirer ou dormir. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je prends une lampe torche? Attendez, je vais finir de lire la suite du document, là. Alors, quand il est dans l'obscurité, on dirait juste une ombre. Et aussi, quand il traque une proie, il reste en fait à moitié invisible pour arriver en fait très très proche de la proie. Une fois qu'il est proche, bah, il montre ses yeux et voilà. Après, quick. Et pas quick, je parle pas des burgers. Hein. La la la! Salut! SCP-280. Vous trouvez pas que je suis beaucoup plus courageuse que sur la saison 1, franchement? Moi, je me trouve grave courageuse. C'est niveau 5 aussi. Mais là, s'il troue le sol, au moins, il y a un autre bâtiment SCP en dessous, donc peut-être qu'il n'arrivera pas à s'enfuir. Mais c'est quand même dangereux. Hein. Ok, vous êtes prêts? Attention! Mettez les likes dans les commentaires. Oui, ça n'a aucun sens ce que j'ai envie de dire. Mettez les likes sous la vidéo, pas dans les commentaires. Sinon, c'est hyper bizarre. Écoutez, c'est parti. 3, 2, 1. Il est là? Oh! Oh! Il a voulu me tuer là. Il n'arrive pas à partir en fait de ce bloc là. Je sais pas ce que c'est ce bloc, mais. Si on casse sur un côté, vous croyez qu'on le voit? Vous croyez qu'il essaye de me tuer? Oh non. Allez, on essaye. Il est là. Salut. Ça va bien? Mais il est trop nul en fait, il n'arrive pas à s'échapper, regardez. Salut, t'es nul, hein. T'es grave nul. En fait, c'est Herobrine un peu, je trouve. Ah, ça, c'est vrai que ça me fait bizarre de regarder dans ses yeux, hein. Il est chelou. Ça va, Herobrine? Ça va? Alors, on n'arrive pas à s'échapper? Alors, on n'arrive pas à s'échapper? Alors, tu veux me tuer? Hein? C'est ça que tu veux? Hein? Il est trop nul, ce SCP! Vas-y. Si la vidéo atteint 1000 likes, au prochain épisode, donc la semaine prochaine, je rentre dedans. Je rentre avec lui, ok? Voilà, c'est à vous de jouer. C'est vous qui avez ma vie entre vos mains. Bon, c'est parti, on va passer au prochain SCP, du coup. C'est le 427. Je le connais pas du tout, c'est un nouveau, donc trop cool. Ok, du coup, c'est parti. Maintenant, on va faire le SCP-427. 3, 2, 1... Ah! Oh non! Non, 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 non! Au secours! Mais je m'y attendais pas à ça! Attends, vite, vite, faut le mettre dans une boîte de confinement! Au secours, je vais mourir. Je vais mourir. Vite la pizza. Ah non, mais c'est un truc maudit, je crois! Chamallow, aide-moi! Chamallow! Vite, je le pose, je le pose. Chamallow! Chamallow! Chamallow, à l'aide! Soigne-moi! S'il te plaît! S'il te plaît! Oui, soigne-moi! Je t'en prie, je vais mourir. Chamallow, il m'a sauvé la vie, là. Ok, on va lire l'histoire de CSCP parce que là, c'est trop chelou. C'est bizarre. Ok,
SCP-427 est un petit médaillon sphérique sculpté dans une matière argentée brillante. Les sculptures ornées ne semblent pas disposer d'une quelconque fonction. SCP-427 a été créé après qu'une pilule de SCP-500 ait été placée dans la cabine d'entrée de 914 en ajustant les réglages sur fin. Oh, mais non, mais 914, c'est l'horloge qui crée des trucs, là. Vous vous rappelez ou pas? Non, mais attends. Parce que là, selon le document, de ce que je comprends, il est censé me soigner. Mais là, il me tuait. C'est bizarre. En gros, c'est un collier qui a été fabriqué dans le SCP, l'horloge mécanique, là. Vous savez qui réparait mes stuff et tout ça? Le 914. En gros, le 914, c'est un SCP, c'est une espèce de machine. Tu mets par exemple une pomme dedans, tu mets un réglage, et en gros, ça te donne une pomme dorée ou une pomme cheatée. Donc voilà, et là, ils ont placé le SCP-500, donc qui est la pilule. C'est un médicament, en gros, ça te soigne tout, c'est le panacea. Ils l'ont mis dedans, ça a fait un collier. Voilà. L'exposition à long terme du collier est un produit à un risque important pour la santé. Ah, bah c'est pour ça. La résistance aux maladies et aux toxines est augmentée de 500%. Ah oui, c'est ça, en fait, si on met un classe D, on lui fait porter le collier pendant une heure, bah il devient un espèce de mutant, en gros. Et le mutant est super agressif. Et il résiste à la plupart des armes. Ok, on essaye de le porter ou quoi? Problème, c'est que je vais perdre mes 10 niveaux si je meurs, hein. Bon, un petit dodo et je vais l'essayer. Par contre, il est capable de tout soigner. Ça, c'est ouf. Mais moi, j'ai vraiment pas l'impression qu'il me soignait, hein. Bon, vas-y, on va faire un essai. Je vais essayer de le porter. Cet objet semble avoir des propriétés de soin. Les mauvais effets semblent partir quand on l'enlève. Ok. Ok. Attends, est-ce qu'il me soigne, là? En vrai, il me soigne pas beaucoup, hein. Mais attends, on va attendre que ça parte, ça. On va voir ce qu'il fait. En fait, si j'y touche pas et que je le garde dans mon inventaire, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que je deviens un mutant? Flanou le mutant! Ti-ti-ti-ti-ti-ti! Et en fait, du coup, il est safe juste parce que... Aïe! Au secours. J'ai pas fait exprès de passer sur le collier. En gros, il est safe parce que bah le collier, il peut pas s'échapper. Voilà. Mais sinon, il est hyper dangereux, je crois. Hein. Donc, ouais. Ah si! Regardez, ça met absorption, régénération, instant health. Ah si, si, ça soigne bien, en fait. En fait, il soigne bien. Et quand on l'enlève de la main, là, ça commence à réduire. Ok. Ok, c'est bon, c'est fini. Alors, hop, toi, tu restes là, avec les autres SCP, là. D'ailleurs, j'ai toujours pas essayé de boire le bol. Faudrait que j'essaye, non? Ça se trouve, c'est trop bien. Prochainement, du coup, moi, j'aimerais bien faire le Docteur Nounours, parce que franchement, je l'adore, le SCP-2295. Mais il me faut un spawner à zombies, donc je pense que ce dimanche, j'irai farmer donc pour le spawner à zombies. Enfin, faut que j'en trouve, quoi. Et le 096, il faut des larmes de ghast. Je le déteste, lui. Lui, c'est mon ennemi, et lui, c'est mon chouchou. Donc, moi, à mon avis, ce qui serait bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est que sur un épisode, je fasse mon chouchou et mon ennemi. Comme ça, il y en a pour vous et il y en a pour moi, quoi. Donc, ouais, ce serait pas mal, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. Lui aussi, je l'aime bien, en vrai, le Builder Bear. Il est mignon. En plus, on a un biome Mesa pas très loin. Je crois qu'il y avait de la jungle, non? Je sais plus. Je sais plus si on avait trouvé de la jungle. Je crois pas. Mais lui, il est trop mignon. Il construit d'autres nounours et tout. Il est trop chou. Il y avait donné un coffre et tout. C'est quoi, ça, déjà, Sleep Killer? Oh, c'est pas ceux qui sont dans le noir. Je crois que c'est ça. Ah, lui, il est horrible, le 939. Bah, le 939, on l'a vu dès le premier épisode parce qu'il était dans le bâtiment abandonné. Oh, celui-là, c'est un que je déteste aussi, le tuyau, là. Je le déteste. Ah, il y en a... Lui, j'aimerais bien le faire, mais il faut que je farme à fond les Wither squelettes. Donc, ça, il faudrait que je farme en live, en fait, les Wither et tout. Lui, on l'a fait. Lui, on l'a pas fait. Oh, lui, il est intéressant. C'est SCP-3020. Dites-moi si vous voulez qu'on le fasse. Il est bleu, il a l'air beau. 3020, il y a aussi le... Lui, le 714. 714, 3020. Ou alors... oh, il y a Banane aussi. Oh, je l'aime trop, Banane, mais il faut un cœur, purée. Ou alors le 2295 et 096. Voilà. Bah écoutez, dites-moi ça dans les commentaires de la vidéo. Mettez un like si vous avez kiffé. Je vous rappelle, à 1000 likes, on ira... Enfin, j'irai du coup dans la cellule du 280, l'espèce de fantôme chelou, là, qui voulait me choper.
Voilà. Je vous fais plein de bisous. Un énorme merci aux membres de la chaîne pour leur soutien. Fox Blue, Takumi, Sovnap et Toony Jumping. Merci beaucoup à vous. Si vous voulez devenir membre, vous cliquez sur le bouton rejoindre qui est sous la vidéo. Et on se retrouve en live demain soir sur Twitch à partir de 18h et ce dimanche de 16h à 18h sur YouTube. Voilà, plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye. Bye bye.